Alexis Sekongo, jeune dynamique et vaillant promoteur de la culture Senoufo, est le fils de M. Sekongo Lazare, qui a été l'un des premiers à faire la sauvegarde sonore sur bande cassette depuis les années 70, premier disquaire de la ville de Korogo. Sous l'effet de l'âge, il passe le flambeau à son fils qui continue son œuvre en organisant en 2014 pour le renforcement des liens entre les Fodonons, mise en place du Bolloy national composé de 14 villages Fodonons et champions du concours de danse traditionnelle. Il fut champion en 2015 avec le Ngoron de Kanaoni. Président du réseau des acteurs culturels du district des Savanes. Champion en 2016 avec le Djeboloy de l'Ameka, meilleur jeune ivoirien nouveau, région du Poro en 2019. Champion en 2017 avec le Didadi de Manabri. Président de la fondation Billy Téné pour renforcer la cohésion entre artistes traditionnels. Initiateur du festival du Sénang depuis 4 ans, espace culturel Senoufo, où les Senoufos du monde se retrouvent. En 2017, président des clubs de la francophonie, invité d'honneur et participant au Siama Mali au nom des Senoufos. En 2018, champion national au concours Vacances Culture Orchestre Traditionnel. Consultant du conseil régional du Poro Ossita 2019. Primé en 2019 par le président de la République, prix d'excellence du meilleur promoteur de l'intégration africaine. Il faut préciser que Alexis Sekongo, depuis le jeune âge, est rassembleur, prône la cohésion sociale, la paix, partout au-delà des frontières ivoiriennes. Longue vie à toi Alexis Sekongo, le leader est celui qui a plus de qualités que les autres, le leader est celui qui a un peu plus de vertus que les autres.